savez, c'est devenu une coutume lors de ce salon Top Reza d'organiser une soirée et d'inviter nos amis et d'inviter des agents de voyage, des tours opérateurs à nous rejoindre pour un moment de convivialité. Encore une fois, merci, amusez-vous bien ce soir et continuez de vendre et de pousser la Réunion. Merci à vous. Si c'est pas la plus belle, une île de tolérance, une île colorée. Quand vous viendrez à La Réunion, vous allez vous amuser, que vous aimiez la plage ou bien l'aventure. Il y a des paysages qui sont juste exceptionnels. Ce sont des gens accueillants, c'est une cuisine gourmande qu'il faut absolument goûter. C'est un métissage qui vraiment nous donne, je crois, une ouverture sur le monde. On a un concentré à La Réunion de tout ce qu'on peut trouver sur la planète, je crois. Et toutes les cultures, toutes les religions, toutes les races s'y retrouvent, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'on a cette richesse qui je pense, on peut être fier. En tout cas, je suis très fière d'être réunionnaise, encore plus fière d'être ambassadrice aujourd'hui. Et il faut venir à La Réunion pour le voir. Aujourd'hui, on a envie d'aller ailleurs et de montrer aux gens et à l'extérieur ce qu'on partage, nous, sur l'île de La Réunion, sur ce petit bout de terre de France. Voilà, on est fiers d'être français. Fier d'être réunionnais. Voilà, La Réunion pour moi c'est mon île, ça résume tout. On a à la fois des gens qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont chinois, qui sont hindous, qui sont musulmans et qui sont aussi métis. Voilà, je suis une métisse, je suis à la fois blanche, noire, chinoise, enfin voilà, ça fait un mélange. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de La Réunion. Le plus gros atout de La Réunion, pour moi, c'est la bienveillance naturelle des personnes qui accueillent les gens. La petite histoire, je suis phobique de l'avion, donc jusqu'à présent, l'île de La Réunion, pour moi, c'était juste des cartes postales et c'était très abstrait parce que je refusais absolument d'y aller. Et là, depuis ce soir, en fait, j'ai vu des défilants, j'ai discuté avec les gens à droite et à gauche. Et pour la première fois depuis ma naissance, j'ai enfin envie d'aller à La Réunion.